Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et pas l'empile. On peut pas jouer une solution. Parce que moi, point, si nous constatons un problème de cohésion au niveau de l'action gouvernementale, ça encore, c'est un désordre. Et mon premier ministre, c'est chef CRTN. En toute bonne logique, on va supposer qu'il y a un problème depuis le film. On va voir que c'est le même chef CSPR. Donc, si la population constate un problème, ça, c'est un problème, c'est un problème non, grave. Parce que ça, c'est. On m'a parlé de cohésion au niveau. Ouais, question. On t'a parlé de cohésion nécessaire. Sur la nécessité de conjuguer les efforts pour batailler contre la sécurité, contre l'opposition et le pouvoir, et qu'on a montré que par exemple au niveau même du pouvoir, à la plus grande, ça veut dire que si entre nous, nous ne sommes pas 40 ans, qu'on nous a pas demandé, nous dans l'opposition, nous venons ensemble avec. Donc on est moins près que je dis, plus que jamais. On ne va pas parler une fois pour chaque bataille. Que personne ne peut pas mettre dans la tête, parce que le problème, on a subi dans le pays ça, on va aller me dire, j'en ai, même avec Guinée, c'est un courage. C'est un petit genre difficile pour oublier que nous sommes intellectuels. C'est ça le problème. C'est difficile. Toute vie, c'est le livre. Toute vie, c'est professeur, c'est consultant, c'est ça m'a habitué. Avec des connaissances qui mettent à côté mieux là, par contre, d'autres bagarres encore. Bon actionnaire. Ça veut dire que, comment vous voulez dire à M. professeur, comment vous venez dans le Sénat comme si pour tout le monde, pour me déclarer ignorant. Pas qu'à faire. Même si je dis ça après, sous plan mieux. Tout le monde connaît sous plan mieux. Donc, je ne dis pas pourquoi tu as déclaré ignorant pour ta vie, viens pour enterrer de l'autre monde. Parce que je dis, je crois que l'unité soit pas de la cohésion. Il ne faut pas gagner. Il ne faut pas aucun côté. Je dis, je crois que faut pouvoir exécutif par un décompté. Il ne faut pas côté bataille. Et c'est comme ça qu'il m'a voué avec le président de la République. Opposition à tout. Les gars nous comprennent que c'est vrai que quel que soit le problème de sécurité, c'est eux-mêmes qui l'État qui fait partie. Mais il faut que le président pouvoir en place la première. Mais pas dans un comportement. Il faut mettre le côté de Tchèla sous dos. Parce que même je crois que tout Tchèla passe sous dos aujourd'hui. Tout Tchèla passe sous dos exécutif. Parce que dimension problème, sans problème dans présenter l'analyse. Des autres cas de Stéli, demander, il faut plusieurs autres mondes, pas nécessairement dans le monde qui l'État. Parce que je dis, on bat avec eux, ils profitent. On dit, si on dit, au lieu de nous concentrer sur la meilleure façon d'aborder la question de l'insécurité, nous préférons chercher est-ce que c'est pouvoir qui va examiner, est-ce que c'est monde, opposition qui va examiner, est-ce que bandit, c'est plus pouvoir, est-ce que c'est plus pour bandit. Au lieu que nous deux, après ça, nous va mettre. Pour nous prendre dans le cadre ensemble. Je veux dire, nous avons un signal pour nous montrer que c'est pas que bon Dieu, c'est pas tout, c'est pas nos belles âmes. Non, c'est meilleure façon de nous capables. Pour nous résoudre dans le pouvoir, et si vous pouvez nous appeler ensemble pour nous battre, c'est pas besoin de mettre nous ensemble pour l'élection. Nous pas besoin de mettre nous ensemble pour nous d'accord avec. On ne sait pas ça. Nous avons mettre nous ensemble pour nous garder comment nous battre avec la sécurité. Parce que l'insécurité, ça, écraser l'État dans le fondement. Si l'État pas existe, qui soit pas le PG. Parce que tout le monde a envie. Je ne crois qu'à diriger un pays, c'est l'État. Ça veut dire que je dis, moi, je crois que quand je travaille pour pouvoir, il faut pouvoir être réceptif, il faut pouvoir accepter ce problème-là pour apporter le bol. Je vois que le président a fait appel à l'OEA récemment, à l'ONU, pour aider le gâté, comment il est capable de batailler contre l'ANIO. C'est très bien. Cependant, dans un pouvoir, le président fait un appel à la République, là. Il fait un appel à l'opposition, il fait un appel à aux forces vives de la nation, à l'Église, à la presse. Donc, c'est qu'il y a des plus bons résultats dans lequel nous faisons à blanc. C'est opinion parce que blanc, là, il y avait une méthode, un moyen pour le faire. Il est venu déjà. Chaque fois qu'il vient, il retourne pire. Ça parce que nous disons que, on n'a pas une contribution au carré. Oui, on a une contribution au carré. Nous ne pouvons pas fonctionner en vase. Nous sommes membres de l'OEA, membres des Nations Unies. C'est normal que ces institutions internationales soient intéressées à problèmes qui ont rapport avec la paix et la sécurité nationale et internationale. C'est pas nous, on peut essayer d'international public, mais on n'a dit ça. Cependant, je pense qu'avant tout, président, c'est un bon frère. D'abord, au niveau des cas, si tu as avec quoi vous parlez, le président Lambia est venu là, je vais lui demander de faire cette demande par là, il est venu là pour faire cette demande informelle. Pile salant, et au nom du Sénat, là, en parlant de vice-président du Sénat, c'est bon, au sommet qui fait, c'est le pouvoir de l'État, le président. C'est pouvoir exécutif, pouvoir l'État, le pouvoir judiciaire. Je regardais d'abord les contributions eux-mêmes au niveau État qui sont capables. En raison quand même, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif. Au niveau du fonctionnement des tribunaux, problème d'avoir le posé. Le problème dans Sony, c'est que vous pressez. Ça m'a dit que vous avez été rassuré parce que, ah, dis ça, c'est jugement. Eh bien, le pressé n'a pas été écrit. On nous prend un examen dans le bataillon, on a fait un examen. Vous pressez. Ça veut dire, ça m'a dit là, ah, c'est pas ça, vous avez besoin de belle merveille. Vous allez là. Non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et pour toi, vous voyez ça aussi. D'abord, pour entendre son politique.
tribunal, parce que la politique pénale doit être bien, c'est le Sénat qui a fait des choses de pouvoir tenir séance, c'est ça. On a une idée par nous avec nous, nous qui déconnaissons la sécurité, la justice, la question en plus. Avec l'exécutif, il a fini filmé l'exécutif avec après l'église, et bien nous avons. Et puis pour nous entendre, parce que quelle que soit l'opinion qu'on parle sur le média, on peut avoir une influence sur la façon dont on se voit en sécurité, même sur le bandit. Il m'a dit que la commission capable d'être dans le média, c'est encourager les gens à la solidarité à le bandit. Au prêche, qui est capable de faire dans l'église, c'est encourager, l'encourager les bandits qui viennent tuer plus que vient de faire des batailles. Bon comportement, parole qui est capable de soutenir l'opposition, c'est encourager, l'encourager les bandits qui viennent de faire des batailles. Autrement dit, nous allons faire tout ça, c'est ça. Il faut que nous mettions d'accord. Nous ne pouvons pas notre discours, nous garder nous-mêmes une chance sur ça. Mais après, il te demande de me faire au chef de l'État. Au nom du Sénat de la République, et au retour du président Lambert, Valérie Lille, nous allons demander le président Pafel, une fois encore, parce que ça a toujours été la démarche du président Lambert depuis le montée depuis le bureau, ça a monté, capable de constituer, capable de espace, que nous capables de constituer, capable de sortir, non, d'un bagage qui a activé, on chita ensemble, quelle que soit la solution, il y a pour marquer ça, que ce soit sur le plan sécuritaire là, que ce soit sur le plan politique là, à foutre pas mon talon, à gagner, on chita ensemble. Nous pouvons qu'à foutre talon, sous constitution, sous ceci, sous mandat président, sous totalité bagage, mais au moins, nous avons une question préjudicielle. La question préjudicielle, c'est la discipline qui nous tranche d'abord. C'est la question de la sécurité. Dans ce cas, je demande au président pour fonctionner d'abord. Plusieurs chefs pour pouvoir de l'État pour définir la meilleure pour pénale qui est capable de garder comment, capable de résoudre ces choses-là de manière structurelle à long terme. Suite, quitte avec les acteurs politiques de l'opposition, après l'Église, les effets de conscience, pour que nous, ensemble, nous n'avons pas les mêmes positions sur les actions à mener pour combattre la sécurité. Parce que chaque parole, chaque action capable de poser, soit des fois j'ai menti à des mondes capables de soit un poids, parce que c'est extrêmement important. C'est ça. C'est fait si ça appelle ça. Ni un peu étudié, d'accord, dit situation de crise. Je bien dit étudier parce que. Il faut essayer de comprendre ce qui a passé dans le pays. La crise société a traversé son crise pour essayer d'apprendre de lui-même chaque jour. Avec l'expression que crise là-bas, nous. Où sont parlés liés à insécurité, kidnapping, gang et autres. Il y a un problème politique, tout. Problème politique qui fait une instabilité dans le pays. Donc, Haïti, c'est une terre d'études à partir de tout ce qui a passé. Donc, nous-mêmes, dans l'Union, nous, chaque fois, nous avons l'occasion de nous réunir, d'étudier pour nous voir quelle solution éventuellement nous capoter. Mais pendant, nous sommes très préoccupés, tout. Par ce qui a privé, là. Parce que, li nous avons une situation au côté dans la société a où il y a un pile bagarre qui pas normal qu'a fait et donc on a étudié mais en même temps on a pensé ouais qui solution nous capable proposer unir t'es toujours parler de dialogue nous penser que dialogue c'est une façon que nous ca essayer résoudre problème pays ça au lieu que nous camper d'accadou en opposant une contre l'autre en ennemi une contre l'autre moi penser que eh bien, les partis politiques, les hommes d'État, les femmes d'État, les gens qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, tout étant des Haïtiens, eh bien, nous cachons ensemble pour nous étudier le problème dans tout. Nous sommes unis à étudier, mais nous tous besoin d'étudier ensemble pour nous voir quel est le mal qui frappe ce pays, mal de l'insécurité, comment résoudre-le? Est-ce que c'est seulement par la force ou bien est-ce qu'il y a d'autres moyens pour faire des activités sociales pour résoudre le problème ça? Crise politique là, idem. C'est pas facile. Moi, je me compte de ça par rapport à l'expérience que m'a fait pour l'autre année où dit dialogue pour tout le monde qui vient de Chita. Il y a des gens qui gagnent agenda pa yo, des gens qui ont dialogue là en gens, des gens qui très méfiants au saut de délit parce que ont pris un mauvais coup dans le passé, ils ont dit qu'ils voulaient dialogue et puis les bagailles mal passé, des gens qui ont des intérêts directs à bien défendre. Donc, ça m'a dit temps. Et je suis capable de dire pour Télé-Guinée, que Radio Guinée et Télé-Guinée, que moi participé ces derniers temps, ces derniers mois, dans pile réunion, côté de essayer comment nous capables rassembler le monde. Chaque fois qu'on commence à avancer, à la gagne, l'icône vient faire bac parfois. Mais j'ai espoir. Moi pensais que peut-être bientôt, pour le gagner un dialogue qui prend le public, qui prend le fait. Il y a des gens qui ont participé là-dedans. Certes, pas tout le monde qui a participé, mais ça permet que nous discutions des questions pour que nous cherchions ensemble des solutions. Car Haïti sont un terrain qui n'est pas facile. On seul monde pas diriger Haïti pour qu'on tout, pour qu'on ne va pas réussir là-dedans. Ou besoin d'autres bras. Dans toute institution, que des organisations internationales ou privées, c'est plusieurs ressources qu'on met ensemble qui ont un résultat. Donc nous besoin en Haïti mettre plusieurs ressources qui sont capables de sortir dans plusieurs origines politiques et idéologiques différentes, mais qui sont capables de converger vers le succès et le bien-être des citoyens et des citoyennes haïtiennes. Donc moi pense que ça prend temps, mais on a privé quand même à mettre mon en place, mettre mon chita autour d'une table pour nous discuter. Parce que si ce n'est pas ça nous fait, nous ne pouvons pas prendre l'autre option en tout. Option
violence, option affrontement. Nous pensons que dialogue là doué et une activité qui pour soutenir démocratie et son activité politique de démocratie même que lié qui m'a dit faut toujours parler avec adversaire là pour nous capable ouais qui meilleure formule de solution nous capable avec problème que ni moi même qui dans l'opposition on t'a remis ouais que bagaille marche bien ou même qui dans pouvoir t'a remis marche bien et bien on collabore ensemble justement moi même dans l'opposition même pour une forme d'opposition qui peut être différente dans l'autre il y a monde qui pensait en opposition faut que c'est violence pour véhiculer faut mettre monde dans la rue à manifester. Moi-même, je ne suis pas contre. La violence, effectivement, sont moteur de l'histoire, mais dialogue sont moteur de l'histoire et tout. Donc, moi-même, je pense que dialogue capable, une autre façon, de manière modérée, pour résoudre le même problème, par la communication. Moi, je suis un communicateur avant tout. Mais donc, je crois dans la communication. Tout autant que dans l'opposition, ça ne me dit pour autant que je ne suis pas capable de porter des idées constructives à pouvoir là. Parce que moi-même, j'ai besoin encourager le pouvoir à faire des bagages positifs pour les moyens de venir sous pouvoir tout, pour me joindre des bagages qui étaient déjà réalisés. Je n'ai pas besoin de recommencer tout bagage. Moi, je pense que nous avons une conception dans le pays, malheureusement, de l'opposition ou de la politique en général, qui fait que certains ont toujours pensé que faire politique, c'est faire la violence. Faire politique, c'est montrer qu'on a un gang avec vous, c'est montrer qu'on a un pouvoir qui a crasé ou qui a brisé. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un service public. Donc, je ne suis pas capable de faire politique là en détruisant ce qui est pour le public, encore une fois. Donc, moi, je pense que, tout autant que dans l'opposition, hein, moi, je suis un agent de développement et qui doit encourager l'État et le gouvernement qui ont pouvoir faire bon bagage. C'est pour être ça, je pense, le dialogue. Faut que vous voir là, tout lui-même, lui ouvrir au dialogue. Faut le vrai dialogue là et faut le sincère. Faut que sincérité a, nous joignons tout côté yo, pour nous converger ensemble vers une nouvelle Haïti. Moi, je pense que le possible, parce que, moi, je crois que, Haïtien avec Haïtien, là, nous gardons l'histoire de nos côtés, nous sortir, il faut nous dire, nous capables de faire encore des miracles, des merveilles. Nous sommes capables de prendre une deuxième indépendance, nous capables de mettre tête nous ensemble. D'ailleurs, en 1803, ça qui est passé dans l'histoire, nous. Eh bien, c'est toute faction qui a gagné de groupes d'esclaves qui a gommé contre blanc, qui a mis tête ensemble, affranchis, esclaves, anciens esclaves, nouveaux esclaves, qui dit, hé, il est arrivé pour nous prendre l'indépendance, nous, et puis ils ont réuni, ils ont fait, ça a relé la geste de 1804. Dernière bataille de Vertière, eh bien, moi, je pensais, 2021 ou 2022 ou au-delà, nous capables de refaire le même exercice de rencontre ça, pour que nous parlions entre nous-mêmes, nous avons un problème dans nous, nous résoudions. Si vous voulez m'ajouter ton bagage, M. Chester. Pour moi-même, Haïti, c'est un défi pour nous garder, pour nous lever ensemble. Qui défi est? Ou bien défi chômage. 70% de la population en chômage. Au lieu que nous avons entre adversaires politiques, nous avons goûté sous ça pour nous essayer de changer. Deuxièmement, c'est l'insécurité. En garder ensemble comment nous avons fait face à problèmes sociaux qui va permettre que nous résoudre problèmes insécurité qui gagne dans le pays. Le problème pays encore, c'est pas de travail, pas l'agriculture pas fonctionner. Mais qui politique que nous avons développé ensemble pour s'arriver fait? Donc, ouais, les défis sont grands et c'est sous eux même pour nous goûter, pour nous capables de voir comment nous avons changé Haïti. Facilité de l'eau à courant dans Nord-Est, c'était une promesse campagne président Jovenel Moïse. Puis bon façon pour sa fête, c'était construction d'un barrage hydroélectrique sur rivière Marion qui alimentait tout département. Haïti va poser des milliards de dollars. Haïti pose des terres, de poser des boules, de poser des rivières, de poser des soleils. C'est ça que vous avez. C'est pour vous mettre ensemble. L'eau comme barrière. Pour nous faire micro-barrière, pour serrer. L'inondation serrée de l'eau. Soleil là, pour l'utiliser, j'en sais avec Marois, j'en sais comment j'ai fait Dominique Paris. Sous côté nous, on s'est installé 30 MW d'énergie solaire. Pour nous pomper de l'eau. Pour nous, pour nous travailler, pour nous tourner dans le pays à vous travailler. Pour suspendre, pour nos mères, pour aller dans ce Bahamas, pour suspendre, jamais qu'à les voisins. Une promesse qui pas de printemps pour le réaliser. Une fois arrivé sous pouvoir, président Jovenel Moïse lançait construction barrage là dans mois mai 2018. Mario, c'est un barrage d'irrigation qui pourra le permettre de serrer en quantité de l'eau qu'on a jeté dans la mer. On rivière tant qu'on rivière Marion qui portait à la mer entre 34 et 38 millions de mètres cubes l'eau chaque année. Ça veut dire pas de jambes, c'est une équipe qui te réfléchit, qui te dit, on nous est comment pour nous commencer à serrer
à gérer de l'eau surface dans le pays. L'eau, c'est la vie. Nous pas qu'à dire nous besoin faire agriculture pour n'attendre la pluie pour nous faire agriculture. Nous pas qu'à dire nous besoin créer travail dans agriculture pour c'est la pluie n'attendre pour nous créer travail dans agriculture. Travail dans agriculture il suppose fait le nous en capacité pour nous mettre terre, l'eau, moun yo ak soleil ensemble. C'est lui m'a dit et c'est lui m'a fait. Marion, c'est plus gros chantier administration président Jovenel Moïse là. L'État haïtien investit en pile moyen dans construction ça, qui c'est deuxième projet comme ça qui mettait sous pied dans le pays d'Haïti. L'a réalisé sous un mandat. Alors que premier, qui c'est barrage Peligla lui-même, t'es commencé à construire dans l'année 1953 et ça t'es pris 4 mandats pour le finir. Barrage Marion, aujourd'hui, c'est une réalité. Les pral servent moun modeste dans différents domaines, tant que électricité, agriculture, tourisme et aquaculture. Mais si tout, aménagement barrage ça, vient porter soulagement quand les paysans yo chaque fois la pluie tombe. Nos visions de gestion d'eau et faciliter la population à gérer l'agriculture et le président arrivé à construire barrage ça et dans moins de 2 ans ou bien dans moins de 3 ans. Et moi j'estime son gros projet, son gros réalisation. Si tu as des contrats, ça t'a fait 4-5 ans, travail à réaliser dans moins de 3 ans, pour pas de 2 ans. Et nous commençons un projet ça qui va le fournir non seulement pour gérer de l'eau, pour permettre le monde et Terrier Rouge, notamment Marion qui connaît. Les lapis tombés qui ont misère et les lapis pas tombés qui ont l'autre misère. Comment gérer de ça aujourd'hui? Quel gain la pluie, quel pas gain la pluie pour l'agriculture continuer à faire. Et barrage, pour comprendre l'importance, surtout pour la Tibonite, notamment pleine la Tibonite, pour faire durer, pour comprendre l'importance pélique. Pour les pauvres, l'importance pélique, c'est courant. Pour les la Tibonite, l'importance pélique, c'est gestion de l'eau. Eh bien, il y a un gérer de l'eau toujours pour eux. Et bailler de l'eau et gérer le propagé trop de kinio pendant la période de la pluie, gérer de l'eau les périodes de sécheresse ou baguette, bailler en quantité suffisante pour faire agriculture là. Et gérer de l'eau en tout pour bailler et plus de 400 000 personnes qui sont dans la zone là ou en électrique. Marion a osé près de 3 000 hectares de terre et l'aide nous finit le barrage là, il va la osé 7 000 hectares de terre additionnel, qui apporte sur 10 000. C'est sûr, Marion a permis nous produisons plus sûrement, nous produisons presque après tout temps l'année, sur une terre qui était risquée pour le travail ou pour le travail, mais ça surtout qu'a fait Mounio par à la République dominicaine, c'est une conscience haïtienne qui n'a pas entré dans une planification, dans une programmation à l'haïtienne, pour nous-mêmes nous produisons pour haïtiens, nous-mêmes nous mangeons haïtiens, nous-mêmes nous tourner l'habitude alimentaire nous veut gagner et puis laisse ça moi crois que nous avons gagné totale indépendance et pas seulement la République dominicaine par rapport à l'autre pays et nous avons l'habitude de tout faire. Au lieu de manger l'autre monde, c'est nous qui avons voulu manger par l'autre monde. Haïti qui a exporté en plus manger vers un pile l'autre pays, surtout dans l'île voisine là, nous avons une possibilité non seulement nourrir la population haïtienne pour nous voir manger dans l'autre pays, surtout il est en cause, tout l'autre il a voisin notre là ou là. Par rapport au travail, maïan, si c'est pas ça, en pile monde qui garde, en pile élevé à perdu bête, monde qui fait jardin t'a perdu, tout le monde dans la zone t'a perdu, mais dans le moment là, nous pas perdu, tout le monde garanti. Ou à garder dans le moment là, par rapport au travail, maïan, tout le monde qui plante dit, tout le monde qui a tout le monde content parce que tout le monde fait dit, il fait comme. Et pas président dit qui vous prend l'argent, mettez dans le pochon, mais il y a un travail qui vous fait. Ou gata bénéficier. Barrage là, il protège nous gè côté nous maré bête. N'a pas gè courant, n'a pas gè route là pral asphalté, nous senti nous content en pile et nous fier en pile. Son barrage veut en pile fruit, il y a des zones en pile. Parce que la veille pour descendre de monde ça là. C'est dans le bois table, si on monte un téléphone, parce que pas de téléphone à l'air. Quand on a descendu pour gata devant puis y a clair pour pouvoir côté pour le dégo. Quand j'aime pas besoin de comparer pour une bague, je viens de n'importe quel minimum, je viens de baigner, je ne vais pas faire, parce que moi tout ça qu'a fait. Parce que, bonjour, je viens de comprendre que tout ça qu'a fait là,
cours, on a pas de produits là, mon cher. Enfin, on fait notre tante, zone a évolué en pile. Il y a 6 gros gars, il y a 3 qui gagnent 6 mois. Bon, c'est travail, je me bats avec eux. Ce travail, il est tout fini. Il y a Michel dans 9e, qui a l'autre petit là, qui a 11 années, il est dans 6e année. Après ça, tout le monde, c'est gros gars. C'est mon travail, même, c'est mon travail. C'est moi qui fais tout le bagaille. Tout le cas, ça, c'est pour moi. Je me sens vivre. Parce que l'eau, ça a été contribué dans le pays. Nous plantons 10 rires, nous venons de l'eau à ravager 10 rires à la dans la mer. Bêtement, nous ravager à la rire. Mais pour le moment qu'on y a, nous commençons à gagner. Avant-hier, la tête, on l'a appelé là. Qu'on nous pose. Parce que ça fait qu'on nous pose. Parce que nous connaissons, l'eau n'a pas venu pour aller avec bêtement encore. Qu'on y a, nous connaissons. Et depuis que l'eau a lancé, si nous besoin, nous n'avons pas de travail. Et nous n'avons pas besoin de tout. Marion, à quelques à 1 km par rapport aux zones ça là marion béé nous les marions là nous pas besoin rien elle nous planter du riz parce que après fond de vite finale nous t'a venir faire du riz parti contre goutte et puis tout c'est chaque année nous t'a fait du riz avec formation nous venir faire du riz 2 fois par année qu'on y a là nous venir faire du riz 3 fois dans l'année et avec à la rivière marion avec gloire nous pas rien que nous pas fait. Non seulement on a fait la pêche, on a fait du riz, on a fait maïs, on a fait pistache, on a fait banane et la trier. Et on va avec les mazombelles, taillot, tout ça on a fait. On a fait légumes, tout bagaille. Avec Marion, ça c'est une réalité. Il pas rêve encore. Projet barrage Marion pas visé seulement partie stockage de l'eau et production courant. Il vise tout côté divertissement touristique dans l'Odès à travers construction et un parc attraction sous site là. Dans la zone, nous avons un côté pour aller visiter. Et avec le projet futur qui est pour mettre un parc dans le barrage là, donc tout le monde peut visiter, ou chita, ou faire pique-nique. Si vous aimez la nature, son bel espace qu'on peut visiter, et ça veut dire zone là qu'on a une œuvre pour nous visiter. L'autre aspect là-dedans encore, c'est que si vous aimez canoë et kayak, bon, nous pas tellement faire ça ici, mais il est possible parce que l'autre pays qui a plusieurs barrages sur rivière, il contrôle les débits rivière et il est capable de nous gagner en compétition canoë et kayak, pourquoi pas. On fait pour le pays, pour le bel travail ça qu'on fait là. Par rapport aux gens nous-mêmes, surtout dans le Nord-Est, comment agriculteurs et milliers à la Dominicanie. À chaque bagaille que vous avez besoin, c'est Saint-Domingue pour apprendre. Mais avec le travail ça, que Jovenel Moïse vient mettre là pour aider le pays, non pas dit département, pour aider le pays, il y a des bagailles que nous ne pouvons pas prendre. Coup de bras banane dans le Dominicain encore. Nous ne pouvons pas prendre poussade dans le Dominicain encore. Je vous dis à nous gagner un système de l'eau. Capable de distribuer de l'eau dans chaque zone. Et nous avons gagné plus de canal qui fait dans la zone cap irrigation, cap distribuer de l'eau dans la zone côté cap dans la filière du riz, qui dans la filière légumes. Eh bien, nous n'avons pas gagné ça. Travail ça, c'est un travail pour quitter dans le pays à longtemps. Si nous avons gagné travail ça, nous avons gagné rêve ça, que nous avons grand pas déjà. Eh bien, journée et jour, avec travail ça qu'a fait là, nous avons quoi que grand pile monde capable de manger un petit cobre. Capable manger comme grand pile monde capable manger plus bien. En attendant l'inauguration rêve ça qui vient en réalité mais un temps qui pas trop long, monde modeste bat bravo la contentement et puis remercier chef l'état pour qualité travail ça qui c'est construction barrage Marion. Au niveau Marion, côté que gagne pile monde qui pas connaît moi personnellement, je suis capable dire son merveille parce que l'air que la pluie tombe, rivière descend, franchement, la matrice, mon malfaiti, c'est en moi qui a brûlé. Cela veut dire que le président lui-même a de bonnes volontés pour toucher les gens qui sont vulnérables, pour porter une solution envers rivière Marion. Pour qualité belle bagaille, ça il fait pour nous dans Marion. Comme une grand bassin, nous sentons nous l'âge, nous grands et nous belles. Nous avons fait ça, nous avons fait dans Marion, Jovenel Moïse. Tout le monde a gardé nous en direct là. Côté nous là, nous Marion. Bel travail ça nous fait. Nous n'avons pas qu'à faire. Demain, si nous avons te connais. Parce que Jovenel Moïse a fait un bel travail. Jovenel Moïse, après ou pas encore. Président, nous vous remercions pour belle bagaille, ça fait Marion. Merci pour tout ça. Je demande à tout pays en général comment se préparer nous pour nous venir à des grosses œuvres.
que une administration politique fait en bas du feu, en bas pays loc, en bas crasé brisé, en bas toute qualité problème qui gagne. Si moi te joindre la paix, c'est pas une marion d'affaire. N'avait fait.